premier épisode sur Jurassic Evolution 2. C'est parti. Hop. Il y a un prix là. Bon, regarde. Ok, allez. Donc le 1, je l'ai fait défini. Et j'ai pas envie de le recommencer et tout ça, parce qu'il est pas non plus si incroyable que ça. Mais le 2, il m'a l'air plutôt pas mal. Il y a même des défis, bon ça je vais pas le faire. Bac à ça, on s'en fout. Histoire. Campagne. Ok. Paramètres. Jeu. Allez, on est parti pour la campagne. Jurassic World. C'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences. La nature a fait son œuvre et semé le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition. L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différences. Ok, alors je crois que Jurassic World 2, le film, c'était ce qu'on nous a montré là, avec du coup, je me rappelle plus, mais c'était dans une cage là, avec Predator ou je sais plus quoi, un gros intelligent et fort, peut-être un rapport, ou je sais pas du tout, je comprends plus rien, mais pour mais ouais, nous, les déserts ne sont que des terres arides, okay, on est en Arizona. De vie. À l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les vieux volcans. La situation, avec tous ces dinosaures dans la nature, est désormais intenable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Oui. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Ok. Allez. Ok, on commence déjà avec un peu moins d'électricité. Bien, j'imagine que je ferai mieux de me présenter. 3 millions. Je suis Cabot Finch. Directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des États-Unis. Un rôle important, me direz-vous? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Dering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de Vélociraptor. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaures, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencez par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et... Hop, alors, du coup, opération, hop, on va devoir le mettre ici, ça veut dire... voilà.
Nous faisons d'excellents progrès, alors continuons comme ça. Prochaine étape, le générateur de secours. Une fois qu'il sera construit, on s'en servira pour alimenter le centre de réaction. Oh, et n'oubliez pas de relier le bâtiment au réseau d'allées. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Oui. Putain, il y a encore ça, trop bien. Claire, on risque d'avoir du mal à pister ce dinosaure depuis le sol. Sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que lui. Dans ce cas, la meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. Ah, j'aime ma façon de penser. C'est moi qui conduis, ok. Un bar ionique. Avec A, c'est connu. Nous cherchons le... les dinosaures sauvages sont là, magnifiques. Ah ok, il y a un truc. Ouais, ok. Oh, la qualité par rapport à O1. Moi je peux pas... J'étais sûr que ça marcherait. À 100%. Vraiment? Ok. Peut-être pas à 100%. Non, c'est un progrès. Ça me va. Alors, où est-ce qu'on livre ce dinosaure? L'enclos est prêt. Il ne te reste qu'à l'amener. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Non, pas la peine de répondre. Ça on connaît hein. Hop. Obstacle. On est en chemin pour récupérer la cible. Quand il y a des morts et tout ça, c'est comme ça, ok. Le jeu en pause, ok. Ouais, bon, il fallait faire 3-3. John Hammond redoutait que les dinosaures se retrouvent dans la nature. Ça nous complique la tâche, c'est certain, mais on pourrait en tirer parti. Allez. Ok. Alors, du coup, il est là, retour. Je reconnaîtrais ce dinosaure en un clin d'œil. Il faut dire qu'on s'est retrouvé piégé dans la même pièce. On n'a pas pu sauver le baryonyx en question, mais on peut certainement aider celui-ci. Ce dinosaure ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Nous allons devoir installer une mangeoire dans son enclos. Les dinos affamés me rendent nerveux. Oui, vous n'êtes pas le seul. Allez, tiens. C'est bon, tout est prêt. Compris. Bon, on va devoir procéder à un examen complet. Détachez un véhicule et une équipe de garde. Owen vous aidera à évaluer l'état de santé de l'animal. Quand ce sera fait,
Nous pourrons réfléchir à la prochaine étape. Réfléchir à la prochaine étape? Tu crois vraiment que c'est nécessaire? J'ai toujours été du genre à improviser, moi. Écoute, si ça ne fonctionne pas, on fera ça à ta manière. Ça me semble déjà tout réfléchi. Je voudrais faire des... Examen de la cible terminée. Ah ouais, parce que si on a beaucoup de dinos, ça risque d'être un peu chiant. Mais ça ne doit pas nous empêcher de faire des contrôles routiers. Est-ce que tu dirais d'une piscine et d'un coin bar? C'est une vraie question ou c'est encore une de tes blagues? D'accord, Claire. Et si on aménageait les enclos selon leurs préférences, ça te va, ça? Manque de rochers. Il n'y a pas de rochers. Tu veux des rochers? Il veut un peu de contraste. Ok. Environnement. Rocher. Attends. €97, voilà, là. Là, il est bien. Ok. Il y a plusieurs maps aussi. Arizona et tout, sûrement. On peut... Ah ouais, les maps, elle est pas si grande que ça. Il faut vraiment qu'on tienne ces dinosaures à l'œil. On va devoir construire un poste de garde dans leur enclos. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça va marcher. Allez, faites-moi confiance. Ah oui, ça va, ça garde quand même une bonne... Ok. Alors lui, on va le faire... Bah non, en fait, faut que ça fasse toute la zone. Ouais, là, ça peut être bien. Ok. On m'informe que des dinosaures se promènent librement dans nos installations, Claire. C'est exact, okay. Mais ces rapports sont incomplets. Après, ça sera la situation est donc, plus complexe qu'il n'y paraît. On va déjà s'arrêter là, je pense. Des dinos enragés rôdent parmi nous. Quoi d'autre? Ils sont pas enragés. Ils ne font que suivre leur instinct. Plus ils se sentiront menacés, plus ils se montreront hostiles. Particulièrement s'ils croient que leur survie est en péril. Ce qui est le cas, et pour nous aussi. Oui, mais ils ne le savent pas. Enfin, pas encore. Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère. L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place. Bien, allez-y. Hop, donc nous on va déjà s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à hauteur. On a des bonnes objectifs. Allez, ciao.